Bonjour à tous et merci d'être présent sur le stand. Ben alors, je vais venir. On a de la chance aujourd'hui d'avoir. Alors, je vais vous. D'avoir. Comment tu t'appelles? Hugo. Hugo. Lina. Suzanne. Et Suzanne. Suzanne. Alors, Hugo, Lina et Suzanne qui m'ont rejoint sur le stand pour tester en fait la borne d'histoire courte. Alors, venez, venez, mettez-vous à côté de moi. Alors, Hugo, Lina et Suzanne, moi j'ai envie de vous poser une question d'abord. C'est est-ce que vous lisez de temps en temps? Et si oui, combien de livres par mois? Alors. Là, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais avant j'en lisais pas mal, mais je Pas saurais mal, pas c'est dire combien. combien? Ça dépend, mais je sais pas, deux, trois, enfin ça dépend. Ça dépend. Ouais. Et c'est quel type de livre d'habitude? Des trucs un peu science-fiction, des trucs comme ça. Science-fiction. Ouais. Science-fiction, c'est vrai que ça revient souvent. C'est assez sympa. Et toi? Donc c'est Lina, hein? Oui. Ouais. D'habitude, je lis. Enfin. Tu lis quoi, par exemple, en ce moment? Surtout des mangas. Surtout des mangas. Ouais. Lequel? Parce qu'il y en a en ce moment, les mangas, c'est cartonne, quoi. Il y en a vraiment plein. Attack on Titan. C'est. Ouais, d'accord. Et Fire Force. Firefox, ok. Est-ce que toi, c'est pareil, Suzanne? Alors moi, je lis des mangas, des romans, j'aime tout. Ok. Et Une grande lectrice, alors. oui, mais c'est sûr que avec les livres que nous donnent les professeurs, on peut moins lire ce qu'on aime et Ah, le problème, c'est le professeur, hein, c'est toujours ça. Alors, Et du coup, il t'empêche de lire quoi, le professeur, par exemple? Qu'est-ce que tu lis, que t'aimes lire sans le prof? des romans, par exemple, sur la perte de mémoire, etc. Ah, c'est précis. Comme quoi, par exemple, est-ce que tu as un titre? Ah, j'ai oublié le nom. Ah! Voilà, c'est ça, une fille sans passé. La fille sans passé. La fille sans passé. Ok. Bon, je vois que j'ai affaire quand même à des bons lecteurs, c'est assez varié. Et alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer la borne d'histoire courte, qui permet d'avoir des histoires qui durent en temps de lecture silencieuse, parce qu'après je vais les lire à voix haute, entre 1 minute et 5 minutes. Mais asseyez-vous, madame. Bien sûr, c'est fait pour ça. Entre 1 et 5 minutes. Et après, je vais les interpréter. Je dis ça parce que quelquefois tu me disais, Hugo, que tu n'avais pas beaucoup de temps de lire. Alors, c'est pour ça qu'on a créé la borne à histoire courte. Alors, Hugo, vas-y, je te propose d'essayer de. Vous allez voir, voilà. Ça, c'est très pratique parce que peut-être que c'est ce que vous allez avoir dans vos lycées et vos collèges, des bornes à histoire. On pourra même retrouver des histoires que vous allez écrire, parce que je ne sais pas si vous écrivez aussi. Ah, alors. Vas-y. Ah, on a un problème de micro, zut. Alors oui, j'écris beaucoup, surtout des nouvelles, et j'ai gagné le deuxième prix d'un concours. Ouh là 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 là. Et voilà. Ouais, on a une gagnante de prix de concours. C'est bravo, Merci. félicitations. Très bien. Bon, alors tu vois, tu écris. C'est-à-dire qu'en fait, ces nouvelles-là, on pourrait les retrouver dans la borne à histoire. Alors, dis-moi ce que tu as. Donc c'est le paysan et le Le diable. paysan et le diable. Des frères, Des frères Grimm. très connus, hein, les frères Grimm, souvent, le paysan et le diable. C'est peut-être quelque chose que je vais lire. Linda, Lina, excuse-moi. Est-ce que tu peux venir prendre une histoire? Voilà. N'hésitez pas à vous asseoir parce que je vais raconter une histoire d'une minute. L'aïeul est le petit-fils des frères Grimm aussi. Bon, en ce moment, je pense qu'on va avoir la collection là. Alors, il faut savoir que ça sort au hasard. Hein. Et Suzanne. Suzanne, très joli prénom. Suzanne, je te laisse choisir une histoire de 3 minutes. Le. Sommet du monde Et de c'est. Elna Lemire, je sais C'est pas vrai que dire. c'est LMR, comment on peut le prononcer ça? Vas-y, essaye, essaye. Ouais. Bon, ça c'est des histoires du Nord en fait, hein, c'est des histoires d'Islande. Alors écoutez, je vais vous lire une petite histoire. Je vais commencer peut-être avec une histoire
courte. Alors peut-être avec le conte, on peut commencer avec le conte de Grimm, hein, Le paysan et le diable, qui est une superbe histoire. Je vois que vous êtes tous là, il y a encore quelques places. Et vous savez, vous allez me rendre un service, ça va m'aider parce que j'adore lire devant des gens. C'est beaucoup plus difficile de lire quand il y a des places vides. Est-ce que vous pourriez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Écoutez, asseyez-vous, on va prendre... Il y a quelques chaises ici. Venez, on va lire. Je vais vous lire Le paysan et le diable. Voilà. Oh, juste là, c'est bien aussi, hein. Ça m'aide, hein. Et la chaise, c'est parfait si la chaise est remplie. Merci. Alors, Le paysan et le diable, c'est une histoire assez originale. Pourquoi ? Parce que le diable, d'habitude, c'est toujours lui qui gagne. Et bien, pour une fois, dans cette histoire-là, c'est le paysan qui gagne contre le diable. Alors voici la petite histoire, donc Le paysan et le diable. Ça commence toujours comme ça. Il y avait une fois un paysan adroit et rusé dont les bons tours étaient connus à plusieurs lieues à la ronde. La plus plaisante de ses malices est celle à laquelle le diable lui-même se laissa prendre à sa grande confusion. Un soir, que notre paysan se disposait à regagner son logis après avoir labouré son champ pendant une bonne partie de la journée, il aperçut, au milieu des sillons qu'il avait tracés, un petit tas de charbon embrasé. Il s'en approcha, plein d'étonnement, et vit un petit diable tout noir qui était assis au milieu des braises ardentes. « Bon, il me semble que tu t'es assis sur ton trésor !» lui dit le paysan. « Tu devines juste, » répondit le diable, « sur mon trésor qui contient plus d'or et d'argent que tu n'en as vu depuis que tu es au monde. » « Ce trésor se trouve sur mon champ. En conséquence, il m'appartient. » reprit le paysan. « Il est à toi. Si pendant 2 années tu consens à partager ta récolte avec moi, j'ai assez d'argent comme cela. Je désirerais maintenant posséder quelques fruits de la terre. » Le paysan accepta le marché. « Bon. Pour éviter toute contestation lorsque viendra le partage, il sera entendu que tout ce qui sera sur terre t'appartiendra, à moi au contraire, tout ce qui sera au-dessous du sol. » Le diable souscrivit volontiers à toutes ces conditions. Cependant, notre rusé paysan sema tout son champ en betteraves. Quand l'époque de la récolte fut arrivée, le diable se présenta et voulut emporter sa part du produit. Mais il ne trouva que des feuilles jaunes et flétries. Quant au paysan, il déterra, tout joyeux, ses betteraves. L'avantage a été pour toi, cette fois-ci, dit le diable. Mais la fois prochaine, ce sera mon tour. J'entends qu'à la future récolte, ce qui se trouvera sous terre m'appartienne, et toi, au contraire, ce qui sera au-dessus du sol. C'est dit, répondit le paysan. Cependant, quand le temps des semailles fut venu, le paysan sema non plus des betteraves, mais du froment. La moisson étant mûre, notre rusé compère retourna au champ et coupa au pied les tiges des épis, si bien que lorsque le diable arriva à son tour, il ne trouva plus que les pointes de la paille et les racines. Dans sa rage et sa confusion, il alla se cacher au fond d'un abîme. C'est ainsi qu'il faut berner les renards, dit le paysan, en allant ramasser son trésor. Voilà. Petite histoire des frères Grimm. Alors, je vais peut-être finir. Bravo, hein. C'est fou. Elle cite, on a quelqu'un ici qui cite dans le texte la phrase que j'allais dire. Enfin, c'est quand même impressionnant. Alors, je vais vous proposer La cigale et la fourmi. Quand même. Au revoir, merci. Il y a de la place, venez, n'hésitez pas. Et je te proposerai après de choisir une histoire. Après, tu viendras choisir une histoire. Alors, La cigale et la fourmi, classique, hein,
comment tu... Suzanne, je pense que tu dois connaître. Ok, pas de problème. Viens Suzanne, et viens Hugo et Lina, c'est ça. Vous me faites la plus grande joie. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très très difficile de lire devant un public absent. Et là, vous êtes là, en plus, j'ai des gens qui écoutent, qui savent, connaissent les textes. Alors, la cigale et la fourmi, vous connaissez le début. Hein, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva quand la bise fut venue. Exactement. Eh oui, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, je chantais, vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, maintenant, dansez. » Elle est dure, cette comptine. Qu'est-ce que ça veut dire, Suzanne, cette comptine ? Enfin, cette fable ? C'est quoi la morale de cette histoire ? Qu'il faut pas se reposer sur les autres. Ouais. À ton avis ? Bonne question. Bonne question, Hugo. Faut pas penser tout le temps à s'amuser, mais aussi voilà. Il faut penser à travailler. Oui, voilà, travailler. Exactement. Et oui. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait venir me sortir une nouvelle histoire ? Hop. Suzanne. Alors, Suzanne, c'est. Il vit avec le tonton. Eh. Exactement. Non mais je vois que ça, il y a du retour là sur cette. Qu'est-ce que t'as sorti ? Ah, t'as sorti une histoire de 5 minutes. Ah, voilà. Alors là, vous voyez, ça c'est. Réponse Jacob et Wilhelm Grimm. Grimm, encore les frères Grimm. Alors là, je suis obligé là. On ne lit que des frères Grimm. Je vais te proposer d'en prendre une autre. Alors, peut-être une minute, on va voir. C'est fou parce que le hasard fait qu'il n'y a que les frères Grimm. Vous vous rendez compte ? Ah ! Fusible, Florent Jaga. Inconnu au bataillon. Alors, on y va. C'est une sorte de poème. Vous allez voir. Je voudrais vous mettre au courant de mon changement d'état. J'ai pété un fusible en surtension, fondu le plan de ma cervelle dans le creuset de la dure mer. C'est le blackout. L'erreur critique, la déconnexion, l'électricité statique, ça fume, ça grille, ça soude caustique. Je me décharge léthargique. Je continue à chercher l'alternative. Mes circuits sont déprimés. Mes filets conduits enterrés. Les synapses en lésion dangereuse sont sous-alimentées. Déprivation en série, déperdition de mon énergie. Je me désole et je m'isole en panne de mon génie technique. Je voudrais vous éclairer. Moi, le lanterne. Vous donner l'impulsion, l'étincelle et la foudre, faire vibrer les masses dans mes questions de basse, irradier les guitares, gicler à vos tympans, régler nos ondes en phase pour une transe électrique, être l'élément moteur de vos joies extatiques. Mais voilà, parfois l'existence vous vide de votre essence, épuise vos ressources, met vos batteries à plat. Je ne suis pas un robot, mais une machine à vivre. Je suis un home sans résistance, so what ? Je traverse les jours en mode
économie. Alors ça, qu'est-ce que c'est, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ça, c'est moins narratif. En fait, on n'est pas dans un style narratif. Ce que vous avez écouté là, c'est pas le style où je vais vous raconter une histoire. C'est que le narrateur, enfin l'écrivain, va utiliser des mots qui vont avoir des évocations. On parle de circuit électrique, on parle de watts, on parle de machines, on parle d'électricité, mode économie d'une batterie. Donc on a tout un lexique qui va parler des éléments techniques, matériels ou mécaniques. Et il se compare en fait à quelque chose de mécanique et il explique qu'il est proche. Il va bientôt exploser. Et le rythme, vous avez entendu le rythme, la manière dont je lis par exemple. Hein, ce rythme-là, ça montre qu'on va être, on est bientôt en sur-régime. On va bientôt exploser. Et c'est pour ça que les mots, là, on va les utiliser non pas dans le sens premier, on va les utiliser pour leur son, leur sonorité. Hein ? Et c'est ça qui va faire que ça va exploser à un moment. Voilà. Donc c'est complètement différent des frères Grimm, là, pour le coup. Hein. Alors, je vais prendre un petit ruban. Et, super, et je vais te l'offrir. Super. Alors, est-ce que vous êtes encore prêts pour encore une histoire ? Hein ? Lina ? Allez, on y va. Alors là, je dois dire que je suis agréablement surpris d'avoir des fans hein, qui viennent. Alors, Lina, qu'est-ce qu'on... Hop. Suzanne. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moucha de Sandra Bartman. Et c'est une... Aventure de jeunesse. Une aventure de jeunesse. Alors, c'est une aventure de jeunesse. Bonjour. Est-ce qu'on l'invite à nous rejoindre ? Ouais, on l'invite à nous rejoindre. Alors, viens, viens sur le... Ça Bonjour. Va ? Bonjour. Oui, ça va. Ah, tu sais déjà parler dans le micro ? Oui. Ah bah t'as l'habitude, j'ai l'impression que t'as l'habitude. T'as déjà parlé dans un micro ? Je viens juste de faire le truc avec France Info. Ah bah voilà, elle vient juste de faire le truc avec France Info. Super. Alors, comment tu t'appelles ? Margot. Margot. Ouais. Tu es en ? Terminal ES. Terminal ES, très bien, donc tu passes le bac. C'est ça. Ok, est-ce que... Alors là on a des gens qui sont des lecteurs, hein, qui nous ont rejoints, plus ou moins. Est-ce que toi t'es une lectrice ? Un petit peu. Un petit peu, c'est quoi un petit peu ? De temps en temps. Alors, essaye de me donner, tu lis une heure par mois, tu lis un livre par mois. Je lis à peu près un livre tous les deux mois, je pense. D'accord, et tu lis quoi comme type de livre ? Alors, des livres pour l'école, parce que je n'ai pas le choix. Et sinon... Ah, c'est toujours ça, hein. Suzanne nous disait, oui, mais moi, je suis obligée de lire les livres que mes professeurs me donnent. Ce qui fait que ça m'empêche de lire les livres que j'aime. Non, moi je les lis pendant les grandes vacances. Tu lis pendant les grandes vacances ? C'est ça. Tu lis quoi ? Des livres de science-fiction, d'aventure. Ouais. D'aventure, de science-fiction. Hein, comme Hugo qui lit beaucoup de science-fiction. Alors, en fait, ce que je te propose, c'est tester notre distributeur d'histoires courtes qui va te sortir une histoire dont le temps de lecture est entre 1 et 5 minutes. Est-ce que. On peut tester ça ensemble. Ok. Ok, allez, on y va. Je te laisse essayer. 3 minutes. Alors, vas-y, mets-toi là. Mets-toi juste à côté de moi. Je crois qu'il faut que tu appuies plus fort. Waouh. Alors... Est-ce que tu peux nous lire le début ? Alors, juste le titre. La rencontre. La rencontre, et c'est quoi ? C'est ? Une histoire de cœur et amitié jeunesse. Une histoire de cœur. Ah oui, bah parce que, en fait, il faut savoir qu'on a beaucoup d'histoires. Et bah, je vais. Écoute, je vais te la lire. D'accord ? Je te propose d'aller t'asseoir ici ou, ah bah, ou à côté d'Hugo. Voilà, une histoire. Faut savoir quand même qu'en littérature, le thème. Je sais pas si vous avez. Vous êtes tous au courant quand même. C'est quoi le thème principal de la littérature, de tous les livres ? Alors,
Hein, c'est quoi? L'amour. Eh oui, c'est l'amour. Eh oui, c'est comme ça qui nous... C'est ce que vous alliez dire aussi. L'amour, c'est quand même... Allez, 90% des romans, des histoires, tout tourne autour de ça. Eh ben, je vais vous lire donc une histoire d'amour, peut-être. Alors... Ça commence bien. Ah ouais, ça commence bien. Je rentrais du collège en passant par le parc, comme tous les jours. Et soudain, il était là, devant moi. C'était la première fois que je le voyais. Il était si beau que je me suis arrêté à quelques mètres. Bouche bée. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Assis tranquillement sur un banc, il regardait les promeneurs, l'air indifférent. Et j'aurais voulu aller lui parler, mais avant que je ne m'approche de lui, il s'est levé et il est parti. Je n'ai pas osé le suivre. Alors, je suis rentré chez moi. Toute la soirée, son image m'a poursuivi. Ses beaux yeux verts, son allure nonchalante. Je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Et il m'a fallu du temps pour finir mes devoirs. Le lendemain, j'espérais tellement le revoir que j'avais comme une boule dans le ventre. J'ai marché lentement, très lentement, dans le parc jusqu'au banc où je l'avais aperçu la veille. Il était là. Mon cœur a fait un bond dans la poitrine. Je le trouvais encore plus beau que la veille. Allongé, les yeux fermés, il semblait dormir. Je me suis approché de lui sans faire un bruit, m'arrêtant devant le banc. Doucement, j'ai avancé ma main, voulant le toucher, le réveiller, lui parler. Mais il a soudain ouvert grand les yeux et m'a fixé comme s'il avait deviné ma présence. J'ai sursauté, me suis reculé, honteuse qu'il m'avait surprise. Il s'est levé, m'a lancé un dernier regard, puis s'est éloigné. Pendant 3 jours, j'ai fait semblant de rien en passant devant lui au parc. J'avais tellement honte de moi que je me dépêchais de rentrer à la maison sans m'arrêter pour le regarder. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il m'observait. Mais je n'osais pas me retourner pour vérifier. Durant le week-end, je n'ai pensé qu'à lui. Il était si beau. J'avais vraiment envie de l'aborder, hein. Mais comment faire? Et puis j'ai eu une idée. Le lundi, en rentrant du collège, prenant mon courage à deux mains, je me suis assis sur un banc à côté de lui. J'avais mon goûter avec moi et j'ai commencé à le manger comme si de rien n'était. J'ai vu qu'il me regardait fixement. Alors, les mains un peu tremblantes, j'ai partagé mon goûter. Je lui ai offert la moitié. Il s'est levé, il est parti sans même y toucher. Ben, je n'allais pas me décourager de si peu, hein. Le lendemain, je me suis assis sur le banc. Et je lui ai tendu encore la moitié de mon goûter, une part de gâteau au yaourt fait maison. Cette fois-ci, il s'est jeté dessus comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. J'étais si contente. Puis sans un mot, je me suis levé et je suis parti avant qu'il ait fini de manger. Je ne voulais pas l'effaroucher. Le jour suivant, nous avons recommencé la même manège, je m'asseyais sur le banc, je sortais mon goûter, je lui en donnais la moitié... Et pendant qu'il mangeait, je partais. J'avais l'impression que désormais, il m'attendait. Au bout d'une semaine de ce petit jeu, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'étape suivante. En rentrant du collège, je me suis approché du banc, bien décidé à lui parler. Il n'était pas là. J'ai scruté les alentours, me disant qu'il était peut-être sur un autre banc, mais rien, il n'était pas là. J'étais déçu. Moi qui avais rassemblé tout mon courage pour l'aborder, voilà qu'il me posait un lapin. Enfin, c'est pas comme si on avait un vrai rendez-vous. Mais c'était la première fois depuis des jours qu'il ne venait pas. Et s'il lui avait
S'il y a quelque chose de grave qui lui était arrivé? Si, en fait, ma compagnie lui plaisait pas? Et s'il ne revenait plus jamais? Je me suis assis sur le banc et, triste de ne pas le voir, j'ai fermé les yeux pour ne pas pleurer. Soudain, j'ai senti une présence à côté de moi. C'était lui. J'étais là. J'étais si heureuse. J'ai sorti mon goûter, je lui ai donné, et au lieu de se jeter dessus comme d'habitude, il m'a regardé longuement. Puis il est monté sur mes genoux. Et s'est frotté à moi. Quelle surprise. Moi qui le trouvais si sauvage. Je l'ai caressé, câliné, puis nous sommes rentrés ensemble à la maison. À ma plus grande joie, mes parents ont accepté qu'il reste avec nous. C'était la première fois que j'adoptais un chat. Ah, vous voyez, hein, on pense que c'est une histoire d'amour. Ça peut être une histoire d'amour, eh oui. C'est un lien d'amitié, on peut aimer son chat. Alors, à quel moment vous avez dit il y a un problème? Le moment où il est monté sur chez nous, c'était bizarre quand même. Hein, mais je crois que j'ai vu un moment, tu t'es dit... Vas-y, alors à quel moment? Quand il est monté sur les genoux de la fille, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas un homme et une fille, un des deux, c'est pas un humain. Ouais, c'est pas humain. Les deux, c'est des animaux, je sais pas, mais... Mais c'était quand même bizarre, le fait qu'il donne du goûter de temps en temps, c'est une méthode de drague qui était un peu bizarre quand même avec des humains, hein. Mais on se dit, ok, pourquoi pas, c'est un sauvage, quoi. Alors, ça me fait penser à un autre passage de la littérature qui est très connu, cette petite nouvelle, en fait. Il y a un livre... C'est exactement cette histoire-là, vous le connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez Le Petit Prince? Est-ce que vous connaissez le moment où il vient adopter un... Non, il y a dessine-moi un mouton, mais il adopte pas le mouton. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un renard. Il adopte un renard. Et en fait, c'est le moment où il l'apprivoise. Et là, on a une scène qui, à mon avis, s'inspire fortement du Petit Prince... où l'héroïne en fait adopte un chat, hein, et pas un humain, comme on aurait pu le croire au début. Il adopte un chat, un peu comme Le Petit Prince adopte un renard, en l'apprivoisant et en lui donnant à manger. C'est fou, c'est... Alors, dans Le Petit Prince, en fait, ça commence comment? Vous vous rappelez de cette scène avec le renard ou pas? Non, ça commence pas avec de la nourriture. Avec une rose. Vous vous rappelez? Alors, dites-moi. Non, je m'en... Vous vous rappelez plus. Mais c'est vrai que c'est très joli ce moment où, en fait, je crois que c'est avec une rose, mais je suis pas sûr. Oui, effectivement. Il y a une rose aussi. C'est vrai que moi aussi, ça fait longtemps. La rose avec les épines. Alors, c'est la rose avec les épines. Mais je sais Et je crois que c'est... Est-ce que c'est parce qu'il s'approche petit à petit du renard? Il lui explique comment ils peuvent, ce que c'est qu'apprivoiser et donner son amitié à quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Voilà. Alors je crois qu'on a eu un très beau passage. Est-ce que quelqu'un voudrait encore venir choisir une histoire? Suzanne, alors Suzanne, elle est tout le temps là. Ça, c'est génial. Alors viens, mets-toi là, en face de notre public. Et vas-y, alors on a une histoire de 3 minutes. Alors, vous voyez, quand je lis les histoires, évidemment, ça dure plus de 3 minutes. Ce qui est normal, parce que quand on lit silencieusement, on n'a pas forcément... On met pas forcément le ton. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire? La nuit avant Noël de Clément Clark Moore. Ok, et c'est un conte... Classique. Conte classique. Il est pas mal, hein, mais... On va essayer d'en trouver un autre. Alors, on va demander à la borne à histoire de nous en trouver un autre. Hugo, t'es pas venu? Allez. Encore? Oh là là, c'est pas vrai. C'est quoi? C'est Le Paysan et le Diable. Fou. Bon, encore un autre. Allez, encore. Allez. On va vider la borne. On va. Je sais pas, il y a combien de kilomètres de papier dans une borne?
Il y a 200 mètres. On a 200 mètres d'histoire. La nuit avant Noël, c'est pas vrai. Oh, non, mais c'est fou. C'est quasiment statistiquement impossible ce que tu viens de faire, tu sais. Alors vas-y, encore une fois. Allez. C'est dingue. C'est presque un running gag, quoi. On a toujours le même texte qui sort. Alors, je te propose un texte d'une minute, parce que là, le paysan et le diable, c'est dingue. Vous allez être obligé de le lire, hein. Je veux dire, la nuit avant Noël, Le corbeau et le renard. Eh ben, on y va. Classique. Je l'ai lu, celui-là. Non, je ne l'ai pas lu encore. Bon, vous savez comment ça commence ? Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Super. Vous savez comment ça continue ou pas ? Non ? Ouais. Maître renard par l'odeur alléchée. Lui tente à peu près ce langage. Mais je suis avec des pros de la littérature, effectivement. Alors maintenant, bah c'est ça commence comme ça, effectivement. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, alors celui-là. Alors, bravo Margot. Alors, faut savoir que Margot, tout le temps de la lecture, elle faisait en playback. Ça, c'est quand même impressionnant. Oui, eh ben merci. Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'on a encore une petite... allez, une dernière. Alors, qui n'a pas eu d'histoire encore ? Toi, Lina. Lina, elle n'a pas eu d'histoire. On va... Hop. Est-ce que... Non, je suis pas le plus fort pour faire les nœuds. C'est pas ma spécialité. Voilà. Lina, encore une histoire. On va essayer de pas tomber sur un classique qu'on a déjà fait. Viens t'asseoir. Super, merci. On a justement... Bah, tu vois, ça tombe bien, il y avait une place. Alors, comment tu t'appelles ? Elena. Elena, t'es en quelle classe ? Première ES. Première ES. Tu passes le bac de français, là ? Oui. Ça va ? Ça va. Ça va. On essaie de s'en sortir. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu lis de temps en temps ou pas ? Oui. Tu lis un livre par mois, un livre tous les deux mois ? Parce que mon école m'oblige. Sinon de... Oh là là, mais c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça. C'est... L'école t'oblige à lire quoi, par exemple ? Candide. Candide. Ouais. Allez les filles, comme on étudie la sociologie. D'accord. Donc, c'est un livre de sociologie. Ouais, un livre de sociologie, bon. Candide. Candide, ça va, c'est pas trop rébarbatif. Non, j'aime bien. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu peux me citer une phrase de Candide ? Non. Non. La fin, il faut... Oui, oui. Ah, ah. Alors là. Il y avait longtemps en Vespalie, un truc comme ça. Il y avait longtemps en Vespalie. Il faut, et il y a aussi, à la fin, c'est il faut cultiver son jardin, je crois. Je suis pas encore à la fin. Ça vous dit quelque chose aussi, madame ? Ça fait longtemps, hein. Ah, et un truc comme ça. Ouais, il y a quelque chose, il faut cultiver son... ça laisse des marques, Candide. Et je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'avec Pangloss...
Ah ouais, là, t'as choisi... Enfin, là, c'est 30 secondes d'histoire. Ok. Ah bah alors, c'est quoi, alors? Est-ce que tu peux nous... Bijoux de Aroma. Bijoux de Aroma. Et c'est quoi comme thème? Passion amoureuse. Dis donc. C'est vrai que la passion amoureuse, hein, là je pense que ça va pas être le... Tu as froid? C'est le chat de tout à l'heure qu'on a... Alors. Vous allez voir, c'est un peu comme la dernière fois, là, le petit texte avec des mots. C'était un poème assez dynamique sur la mécanique. Enfin, vous n'étiez pas là, mais là, c'est pareil. C'est une forme de petit poème. Un collier de jade autour du cou. Elle parle de jeep, de lion, de sable. Une bague autour du doigt. Elle parle d'enfant, de foyer, de cuisine. Une boucle. Suspendue à l'oreille droite, elle chante, chamane, danse gitane et boit du gingembre. Une montre sur le poignet, tirade sur le temps, la vocation et l'endurance. Moi, je la préfère toute nue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Spécial. Alors, si on reprend le texte. Un collier de jade autour du cou. La jade, c'est quoi? C'est un... C'est une pierre précieuse, effectivement. Hop. Alors, passez-vous le micro. C'est une pierre précieuse, effectivement. Elle parle de jeep, de lion, de sable. C'est quel moment, là, de la vie? Ah, c'est dans le moment de la séduction, j'ai l'impression. Collier de jade, c'est l'aventure. Elle parle de jeep, de lion, de sable. C'est du safari, je pense. Une bague autour du doigt. Qu'est-ce que c'est? Le mariage. Le mariage, évidemment. Une bague autour du doigt. Et de quoi elle parle? Enfant, foyer, cuisine. De? De la famille. De la famille, effectivement. Donc, on a le collier, ça c'est l'aventure. La bague autour du doigt, foyer, cuisine, famille. Le poème raconte la vie. La vie, effectivement. C'est la vie de l'histoire. Et un peu les symboles qui vont jalonner la vie, on pourrait dire ça. Une boucle suspendue à l'oreille droite. Alors là, c'est très mystérieux ce passage. Elle chante chamane, danse gitane et boit gingembre. Qu'est-ce que... Alors là, pour le coup... C'est peut-être une espagnole. C'est peut-être une espagnole. C'est peut-être une espagnole, effectivement. Ça contextualise en fait le passage. Oui, Suzanne? J'allais dire que c'était quelqu'un d'une autre culture, par exemple. Effectivement, alors... Ouais. Une montre sur le poignet, tirade sur le temps, la vocation et l'endurance. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être la fin de la vie, je sais pas. Tirade sur le temps, il reste peu de temps, je sais pas. Enfin, c'est... Là, ce qu'on fait, en fait, c'est de l'interprétation. Hein. Je la préfère nue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, dis-moi. Au naturel. Au naturel. Je suis d'accord avec elle. T'es d'accord avec elle, Suzanne? Moi aussi. C'est ça, alors peut-être, et toi Lina, peut-être que... Pareil. Pareil, ok, alors eh oui, je la préfère nue, ça veut peut-être dire que le... Il faut prendre la femme dans son essence, ce qu'il y a d'essentiel. C'est en dehors de la bague ou le collier, on va à l'essentiel, et l'essentiel en fait c'est peut-être cette femme sans ses apparats. Ça va? Je voudrais, qui veut garder ce texte? Le petit texte, bijoux? Ouais. Ah, c'était pas ça? Elena, c'est ça? Est-ce que tu peux venir avec moi? Hop. Je te propose, mets-toi là, je te propose de choisir une histoire, de tester notre borne. J'appuie sur les boutons? Ouais, t'appuies sur un bouton. Plus fort, il faut appuyer avec force et vigueur.
Qu'est-ce que c'est ? L'odeur de l'ail sur ses mains. L'odeur de l'ail sur ses mains. Suzanne et Lina, vous y allez ? Merci beaucoup. L'odeur de l'ail sur ses mains. Alors, on y va. Tu veux le ruban ? Je crois qu'on va avoir plein de rubans. Est-ce que... Le ruban, ça sert à rouler, en fait, le papyrus et à l'emporter. Super. Alors, l'odeur de l'ail... Oh là, ah oui. Je te le lis. Donc, c'est un instant de vie. Ça veut dire que là, on va juste chercher à décrire un moment assez fugace, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs... Au revoir. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Tiens, Margot, mets-toi juste là. Elle attrape une tête d'ail dont elle détache, d'un geste sec, une gousse. Un froissement de soie cassante entre les doigts, un couteau qui surgit et incise la gousse dénudée. L'odeur jaillit, puissante, envahissante. Le couteau s'active, clac, clac, clac. L'ail est divisé en cubes minuscules. Tout s'imprègne de ce parfum fort, épicé, invasif. La planche de bois, le torchon et surtout ses mains. Plus tard, alors que l'ail saute dans une huile brûlante et diffuse une chaude et appétissante odeur qui se mêle à celle du plat, elle continue à porter machinalement ses mains devant son nez, appréciant la fragrance agressive puis discrète qui imprègne sa peau. L'odeur, peu à peu, perd en puissance ce qu'elle gagne en subtilité. Il exprime le côté cru du petit bulbe, sa fraîcheur, sa franchise surgit de presque rien. Sa ténacité n'est pourtant pas appréciée à l'unanimité. C'est donc avec un peu de regret qu'elle inspire une dernière fois la senteur familière et rassurante avant de s'emparer du savon d'acier dont l'odeur tranchante et inexistante à la fois mettra un terme brutal et définitif à la brève floraison. Demain, elle fera frire les oignons. Alors vous voyez ce petit moment, ça parle à ceux qui ont fait de la cuisine, parce que je ne sais pas si vous cuisinez. Est-ce que tu cuisines ou pas, Elena ? Non. Non ? Enfin, des pâtes, enfin, des trucs rapides et simples. Des trucs rapides et simples. L'ail. L'ail, c'est la vie. Hein ? Des trucs rapides. Margot, est-ce que tu cuisines, toi ? Des gâteaux. Des gâteaux. C'est vrai que c'est pas pareil. Que des gâteaux. Alors, vous voyez, ça, c'est le plaisir de la cuisine. C'est vrai que la cuisine et la littérature ont toujours été très, très liés. On compare souvent le plaisir, le plaisir des sens à un plaisir littéraire. Donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup en littérature. Hein, la cuisine. Je réfléchis là en ce moment à des recettes très connues. Typiquement, peut-être que vous allez le voir en cours un jour, mais on parle souvent de la petite madeleine, la madeleine de Proust. Ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est un moment best-seller de la littérature, la madeleine de Proust, ce moment où elle se détache, on le met dans la bouche, la description du sens. Et la littérature a cette capacité d'évocation à créer des représentations mentales qui vont faire qu'on va presque avoir l'eau à la bouche quand on parle de quelque chose. Quand on lit quelque chose qui nous rappelle un plat, on peut avoir l'eau à la bouche. Et c'est cette capacité qu'a la littérature à nous faire rêver, faire naviguer. Alors, est-ce que... Il me reste encore un tout petit peu de temps, je crois. On va en faire une dernière. Ouais ? Ça va ? Je me rends pas compte si j'ai pas le... Est-ce que on pourrait inviter des gens là qui sont un peu au fond à venir nous rejoindre ? Ah, c'est la prochaine. D'accord. Eh bien, madame, s'il vous plaît, venez sur scène. Parce que pour choisir une dernière histoire. Je vois que vous êtes quand même une famille d'amateurs de lettres. Hein. Ah oui ? Merci. Merci.
Alors celui... Ah, mais la nuit avant Noël, moi, j'en... personnellement, on n'a que ça. On n'a que ça. Alors sinon, une minute. Le loup et le chien, c'est pas mal ça, le loup et le chien. Alors, elle est moins connue, peut-être, le loup et le chien. C'est la différence. Vous allez voir, il y a une vraie morale à l'intérieur qui peut nous permettre de nous poser des questions régulièrement. Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde, ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau. Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, le sire le loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré. Point de franche lipée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi. Vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge de une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Mais qu'est-ce là, lui dit-il ? Rien. Quoi, rien ? Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché. De ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché ? Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Alors, de quoi ça parle ? De la liberté. Exactement, de la liberté. Eh oui. Eh oui. La liberté, le collier du chien, puis permet évidemment d'avoir caresses, maintes caresses, os de poulet, mais il doit flatter le maître. Et ça, le loup ne peut pas le supporter et il préfère la famine. Alors, c'est une belle métaphore de la vie. Et c'est des questions que je crois qu'on se pose un peu tous les jours. C'est quel est le degré de liberté qu'on... et quelles sont les conditions qu'on accepte pour cette liberté. Alors c'est vrai que c'est le chien et le loup, c'est une très très belle fable. Et je suis très content de vous la donner. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais ravi de faire cette séance de lecture avec vous. C'était un vrai plaisir d'avoir des gens qui aiment la littérature, qui ont des références. Et je vous souhaite, pour ceux qui passent le bac, c'est peut-être pas le moment, pour ceux qui passent le bac, bon courage et profitez bien de ces moments d'études. Voilà, merci beaucoup.